Salut YouTube, on commence l'épisode 4 de Phoenix Wright. Deuxième jeu, c'est parti. Et maintenant, qui va décrocher le titre de champion du Grand Prix? Il va être couronné héros des héros. Que ce sera le finaliste de l'année dernière. Oula, oui, le capitaine Saipan, le courant de son étudiant, il est Saipan. On voit que les étudiants du club de l'école de justice sont en prêt. Et bien sûr, le héros mondial, Oleg Kopov, nous pourrons partir les mains vides. Alors, bonne chance à tous, nos héros ce soir. Et maintenant, le gagnant du 3e grand prix annuel du héros des héros. C'est moi! Wouah, et voilà le vrai héros de cette soirée, vient de nous rejoindre. Salut Alex. On dirait bien que le Grand Prix de cette année revient à ce guerrier remarquable. Ça nous aura nickel. Désolé de nous avoir dit, on dirait que le titre vous a encore échappé cette année. Eh bien écoute, cela va très bien. J'ai appris que j'avais raté ton anniversaire, mon cher Alex, et j'en suis profondément désolé. Je n'avais point vu. Tel Gatewater, sale alto. Super, t'as entendu ça, Nick? C'est le samouraï nickel qui a gagné. Ouais, j'ai trouvé pour ce genre de truc. Ah, je suis fier de ce type. C'est vraiment du bon travail. Alors, celui que tout le monde a vu, là. Celui qui a gagné le prix, c'est ça? Ouais. C'est qui on parle, Perly? Non? Le samouraï nickel. Non, je ne regarde que la chaîne pédagogique du théâtre de la jeunesse. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu regardes le Samouraï Nickel. Nick, vous aimez le Samouraï Nickel vous aussi? Non, Nick est trop vieux, alors il n'a plus le droit de regarder l'émission. Ouais, mais si, c'est chiant quand même, Alex. T'as raison, mais j'aime bien regarder le théâtre de la jeunesse. Oh, je savais pas que tu avais regardé ton âme d'enfance, Nicky. Monsieur Nick, vous êtes grand maintenant, vous n'avez pas le droit de regarder ça. Vous devez vous comporter comme un adulte et avoir des loisirs adaptés. C'est très important. Arrête ça, Perdi, d'accord? On dirait que j'ai eu raison d'inviter tout le monde ici. Je suis ravi que vous amusiez bien. C'est vraiment super génial. C'est dommage que Ninja Billy ait perdu. Quand même, l'année dernière, il était déjà arrivé second, derrière la princesse Rose, guerrière du passé. J'espérais bien que cette année... Ouais. En fait, est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose de différent chez Ninja Billy? Ouais, bah ça marche, pas de problème. Je ferai en sorte de venir. Différent, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il n'avait pas sa guitare rouge vif. C'est vrai, c'est bizarre qu'il se produise sans sa guitare fétiche. On ne voudrait jamais ces gens à leur spectacle. Pas tout ça, mais merci Monsieur Lonté pour le spectacle de ce soir. Mais de rien, je dois bien ça, c'est ma façon de vous dire merci. Et Nick, allez, il est temps de retourner dans le hall. Le spectacle d'après-cérémonie va bientôt commencer. Ensuite, on m'a dit qu'il y aurait une conférence de presse. Conférence de presse? Il va faire un discours sur sa victoire? Non, pas vraiment. Moi, Nick, il aurait une confession à faire, je crois. Confession? Ça m'a l'air sérieux. Nick, allez, tu veux qu'on arrive là-bas les derniers ou quoi? Ouais, monsieur Nick, dépêchez-vous. Bah ouais, le spectacle ne commence que dans 20 minutes. Merci de nous avoir invités aujourd'hui. Oh, c'est rien, vraiment. On nous invite pas souvent dans ces endroits. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Alors, monsieur Lonté, qu'est-ce que vous faites ces temps-ci? Eh bien, depuis que la princesse Rose a raccroché le mois dernier, vous travaillez dans une émission pour enfants. Avec un masque de lapin sur la tête. Ah, je vois. Je suis vraiment désolé pour tous les problèmes que je vous ai causés, monsieur Wright. Ah, c'est du passé, ne revenons pas là-dessus. Le gars, c'est Gustave Lonté, vedette de film d'action. Il a cartonné au box-office quand il était le samouraï d'acier. Il était impliqué dans la première affaire sur laquelle j'ai bossé avec Maya. C'est pas la première. On ne le dirait pas vous voir, mais vous avez vraiment un super contact avec les enfants. Oh, merci.
J'arrive pas à croire qu'on va vraiment... On va faire un film sur Samurai Nickel. Bon, pas non plus, mais pour un autre raison. Le samouraï d'acier et les poupées d'un héros qui le désespérément seul pour que son ennemi juré, le juge sans cœur de la ville de Nouveau Vieux Tokyo. Ils ont commencé un nouveau feuilleton l'an dernier, le samouraï nickel. Les gamins ont l'air de bien s'accrocher. Le samouraï d'acier est une émission qui me tenait très à cœur. Alors j'espérais bien pouvoir faire quelque chose sur cette nouvelle série. Oui, c'est dommage, ça aurait été bien de vous voir dans cette émission. Aux côtés du nouvel acteur, Matt Engard. Il est vraiment très célèbre en ce moment. Si on regarde, mon père n'a aucune idée de qui on parle. Cette année au box-office, c'est le samouraï nickel contre le Ninja Billy. Ninja Billy, c'est qui celui-là? Et c'est qui ce Ninja Billy? Ah, c'est un héros. Son symbole, c'est une guitare rouge vif, il l'a tout le temps. Un ninja avec une guitare rouge vif, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Écharpe autour du cou et guitare à la main, il devient une star des temps anciens. Un ninja qui devient une star. Oui, un ninja qui devient une star. Ces deux-là sont engagés dans une concurrence acharnée. Nickel pour les studios Global et Billy pour les studios Worldwide. Ils ont même diffusé au même moment, à la même heure. C'est ce qu'on m'a dit, il paraîtrait que ces deux-là ils ne s'entendent pas du tout. C'est-à-dire, en garde, le samouraï Nickel et le type qui joue Ninja Billy. Garde, c'est un film de cap et d'épée. Mais non, en garde d'acteur, bien sûr. Faut croire que les héros n'apprécient pas la concurrence. Ouais. Merde. Ok. Hop, 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 hop. J'ai encore fait une faute. Pa-pa-la-pa. Ok. J'ai pas son nom. Dans le couloir. Oui, beaucoup de fer. Qu'est-ce que c'est que ces endroits, on se croirait au pays d'Oz. Là-bas au fond, il y a un panneau pour les toilettes. J'ai juste le temps d'y jeter un coup d'œil avant le début du spectacle. Ah non, on peut pas, ok. Mais... Les fleurs sont bien plus jolies que celles de droite. Voyons voir, maison de disques, fan club, personnel, famille. Il faudrait presque une... Ah, on voit pas un truc. Un bout de papier est collé sur la porte, il est écrit « Loge de Juan Corrida ». Juan Corrida, un vrai nom de vedette. Ça me dit quelque chose, mais je sais rien du tout de cette personne. Les toilettes dans toutes les chambres de l'hôtel. Comme on organise toutes sortes d'événements, il y a aussi des salles de bain pour les visiteurs qui ne dorment pas là. Parfait pour les gens comme moi qui n'ont pas les moyens de se payer une chambre. Un bout de papier est collé sur la porte. Il est écrit loge de Matt Engard. Matt Engard, j'ai entendu ce nom quelque part. Mais oui, Mayan a ce nom à la bouche, une vraie groupie. Ok, donc ça c'est la loge du mec qui joue le mec nickel. Pour monsieur en garde de la part du personnel des studios Global. Seulement les avocats se faisaient offrir des fleurs comme ça, je m'y vois déjà. Pour monsieur White de la part de tous ses clients connaissants. La gueule. Des fleurs devant les loges, d'accord. Et des ours en plus. Un de ces héros d'action aurait-il un penchant pour les ours? Non, impossible. Alors c'est tout. Je peux rien faire d'autre. On est placé. On dirait bien que le spectacle d'après-cérémonie est sur le point de commencer. Ah, on est juste le chiotte en fait. Super! Je suis gonflé à bloc. Je me demande s'il va nous faire une démonstration de sa fusion samouraï nickel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la conférence de presse. Vous voulez dire la grande confession que samouraï nickel est censé faire? De quoi s'agit-il? Est-ce que vous savez de quoi il va parler, monsieur Lanté? Je ne suis plus le samouraï d'acier, alors j'en sais rien du tout. Mais... Désolé. Je suppose que nous irons tous à la conférence de presse, hein. Oui, bien sûr! Bon, dans ce cas, tenez, prenez ce billet, ils vous permettront d'y assister. Ok. Merci infiniment. Allons, les filles, ne sont pas dans les vedettes. On dirait que c'est par là, monsieur Nick! Ok, c'est bon, j'arrive! Le hall. Seul un hôtel vraiment tape à l'œil aurait pu concevoir un hall pareil. On dirait que le spectacle d'après-cérémonie va s'y dérouler. Quoi qu'ils ont choisi une scène assez compacte. Oh, je suis prête. Maya a l'air prête à entrer sur un ring. Votre attention s'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Nous avons le regret de vous informer que le spectacle d'après-cérémonie a dû être annulé pour des raisons indépendantes de notre volonté. Quoi ? Pourquoi ?
À peine de me pincer et pince-toi toi-même si tu n'y crois pas. Nous demandons toute votre coopération. Nous prions de rester où vous êtes. La police demande à tout le monde de rester sur place. La police? Il a dit la police? Vous voulez que j'aille voir ce qui se passe? Attendez, je vous accompagne. Arrêtez! Vous deux là, vous êtes sourds, vous n'avez pas entendu l'annonce. On vient de vous demander de pas bouger. Cette voix, ça va me dire quelque chose. Non mais vraiment! Cette jeunesse, même pas fichue du coup. Oh, c'est la vieille. L'autre jour, c'était la même chose, il y avait un petit pont et tout. Attention, alors pour les... Ouais, c'est sûr, c'est elle. Elle parle trop. Pendant qu'il finit son dialogue. Ce moulin à parole. C'est... Non. Moi que j'aurais, madame vieille chouette. De quoi? Comment? Espèce d'avorton, est-ce que je vous connais? Une petite minute, vous! Vous êtes monté, n'est-ce pas? Ouais. À propos de ce qui s'est passé à l'époque, vous n'avez pas été nominé cette année, n'est-ce pas? Ah, mais ça me revient, vous faites maintenant cette émission de sport pour les enfants. Oui, c'est moi, mais au moins j'ai toujours du boulot. J'adore cette émission, et vous, vous êtes rigolo, vous faites le grand frère, hein. Oui, je vous reconnais, même sur votre masque, oh, putain. Que faites-vous ici? Regardez mon uniforme, jeune Lorek, je fais partie du service de sécurité. Et cet uniforme, les morts voyants se prennent la rafale qu'ils méritent. Ratatatatata. Putain. Vas-y, je faites que faites-vous ici? Vous ne travaillez plus pour les studios global? Oh, cette vieille vague, depuis le fameux incident, ils ont remercié du monde. Et quand ils se sont pris au service de sécurité, voici sur le bilan. Quel incident? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai rien fait, je n'ai fondé. Vous vous souvenez pas, c'était il y a environ un an. Quand j'ai fait ma déposition à la barre. Si. Et vous, vous n'arrêtez pas de me bousculer, moi qui ai le cœur si fragile. En commentaire. Mais en fait, je crois bien que ça n'a pas plu avec l'employeur que je témoigne. C'est bien sûr, je me rappelle, tout est de votre faute. Ma faute. Après, j'ai voulu devenir garde du corps. Vous, garde du corps? Oui, pour votre ami, ce charmant jeune homme au veste rouge. J'avoue en hôtel. C'est une terre. Mais... J'ai bien peur que le jardin en jambe cause bien du souci. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'ai pas tous les détails. On dirait qu'il vient d'y avoir un autre incident. Un incident? Vous voulez dire un meurtre en somme? Peut-être. Vous savez, je dois avoir une ligne directe avec le diable. Ou que j'aille le sang coule à peau. Je suis sûr que vous ne le saviez pas, ça. Et si vous abandonniez votre poste de garde pour éviter ça? Hé, hey, Nick! Quoi, ton sort de diablesse me fait un peu peur. Et si on faisait semblant d'aller aux toilettes et qu'on y jetait un coup d'œil? Pas question. La police nous a dit de nous tenir à carreau. Ah, t'es franchement pas marrant. T'es vraiment super ennuyeux. T'as pas la motivation, t'as pas les traits. Ah quoi, que se passe-t-il? Vous embêtez encore Mystic Maya, monsieur Nick? S'il te plaît, Pearl, ne viens pas y mettre ton grain de sel. Pearl, écoute ça, une fois en stage de formation d'avocat, Nick a... Ok, j'ai compris, j'arrive. Yes! Vous savez bien que tu ne pouvais rien me refuser. C'est vrai, vous ne pouvez rien refuser à Mystic Maya, n'est-ce pas, monsieur Nick? Ce n'est pourtant pas faute d'essayer. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Je veux venir aussi, Pearl. Quoi? Génial, je peux venir, je peux venir! Tout le truc. On voit rien normal. Si vous cherchez quelque chose dont la vieille dame parlait, apparemment ça ne s'est pas passé ici, on voit ailleurs. Super, et si on ici? Pardonnez-moi. Vous ne savez pas madame Maya Fey par hasard? Ouais. Au téléphone à la réception. Au téléphone? Non, si c'est quelque chose de avec Shrine. Quelque chose ne va pas, Mystic Maya? Non, ça va, je vais juste aller voir ce qui se passe, d'accord? D'accord. Par ici, madame Fay. Je vous prie. Nick, il faut qu'on aille chercher ailleurs. Ouais, d'accord. C'est un peu excitant, mais aussi un peu inquiétant. Je
Je vous le répète, je suis là pour informer le public, donc j'ai le droit de savoir, peu cher. Alors, je me fiche de qui vous êtes. On est en pleine enquête et vous ne rentrerez pas. Bonne mère, c'est quoi ton problème? Tu vas voir, demain, ce sera dans tous les journaux. Le scandale secret de l'inspecteur véreux enfin réveillé, tu vas voir, c'est... Il y a qui se dispute. Cette voix, ça ne peut être que... V. White! Allez, va! Dude, vous voulez pas me donner un coup de main, celui qui m'empêche de faire mon boulot? Ah, vous! C'est un détective! Eh, mon gars, vous voulez pas m'aider? Dites que seule la police est autorisée ici! Un meurtre vient d'être commis et il faut qu'elle laisse les pourvoyer! Un meurtre? Oh, flûte, moi et ma grande gueule! Vous voyez, je le savais! Je sentais qu'il se passait quelque chose! Mon instinct me trompe jamais! Un meurtre, c'est un vrai meurtre! Oui. Une petite minute. Oh, peu cher un meurtre! Et d'une grande star en plus! Oh là là, dans quoi je me suis foiré? Donc, inspecteur détective, un meurtre. Non, non, pas du tout, j'ai confondu avec une autre affaire. Monsieur Nick, la victime n'est pas le samouraï. Nickel quand même. Hein, pour cette question. Et bien, je sais que Miss Maya l'aime bien alors. Non, c'était pas le samouraï nickel qui s'est fait buter. En fait, c'est plutôt lui le suspect de cet homicide. Le type qui est mort, c'est le héros du nom de Ninja Billy. Le Ninja Billy! La dame avec les cheveux en barbe, papa. Tu dirais pas? Oui, cette dame. Elle était là l'autre fois aussi, n'est-ce pas? L'autre fois? Quand Mystic Maya a fait le channeling. Ah, cette fois-là! Eva est journaliste, c'est son boulot. Journaliste? Elle fouinait dans les parages juste avant que le mur soit commis. Elle fouinait? Ouais, mon gars, elle était planquée devant la porte du Ninja Billy. Mais pourquoi va-t-elle? Ah, j'en sais rien, gars. Elle a juste parlé d'un gros scoop. Un scoop? À quelle grosse nouvelle s'attendait-elle? Alors, la victime n'est autre que le Ninja Billy. Monsieur Ninja Billy. C'est la star d'une série TV très populaire concurrente au Samouraï Nickel. La victime est en fait le héros de la série, Juan Koreeda. Il est apparu de nulle part et s'est retrouvé star du jour au lendemain, le petit. Même moi, j'ai reconnu sa tête. J'ai envie de dire que Bumat en garde l'avait pris en grippe. De là font vraiment de nombreux autres, je vous le dis. Monsieur Lancé n'a plus les miettes à ramasser pour ce gars. Si regarde, c'est bien le samouraï nickel, c'est ça? Ouais? Non, il faut que tu te mettes plus de punch, le samouraï nickel! Quoi qu'il en soit, maintenant que Juan Koreeda est sorti de l'équation, monsieur en garde a tous les projecteurs sur lui. J'en suis pas sûr, gars. On ne tolérerait pas ça, franchement. On ne tolérerait pas ça? Je me demande ce qu'il veut dire par là. Ok, bah... Ah, on peut lui présenter un truc. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là? Présenter... Salle là, est-ce qu'il y a un truc à voir ici? J'ai pas l'impression. Il y a des portes énormes par là-bas. Maya est partie. Elle est partie par là avec le groom. Groom qui était très bizarre. Un festin de roi! C'est la première fois que je mangeais ça. Et ça, un kiwi! Ouais. C'est difficile à décrire, c'est un fruit sucré, mais c'est en même temps, pauvre Perle, elle n'a mangé que des. Magnolia, merci pour le follow.
Tac tac tac. Il était bizarre le groom en vrai. Mais je dois faire quoi là, là du coup? On peut toujours tourner où? Peut-être tu nous demandes un truc? Non? Lui présenter un truc? Alors ça? C'est vraiment les yeux de pro, vous savez. Bon, j'ai un vrai nier, j'ai des yeux. Oh. Eh, parle trop! Examiner. Y'a peut-être un truc ici qui pourrait nous donner. Appareil, mais on va partir à la presse de nous couvrir la conférence. Ils sont tous tournés vers la scène déserte. Et les sièges pour les spectateurs de la cérémonie de la conférence de presse. Dommage pour cela, les événements n'auront pas lieu. Un hall flanqué d'un énorme escalier, c'est toujours impressionnant. J'ai pas aussi l'impression que l'angoisse ambiante que ce meurtre a laissé ici. J'espère qu'il se passera rien d'autre de grave. À mon avis, il doit encore y avoir un truc à faire avec l'inspecteur détective, c'est sûr. Il nous a rien dit du tout. On va peut-être présenter un suspect. Imaginons. Oui. Je ne suis pas fan des séries d'action ou ce genre de trucs. Ça n'empêche pas de savoir qui sont Juan Corrida et Pat en garde. Difficile de parler de l'un sans parler de l'autre. Ouais, ils ont débuté à peu près à la même époque. Alors, ce sont vraiment de grands rivaux. Un peu comme vous et moi, hein, mon gars. J'aurais jamais cru qu'ils me considéraient comme un vrai rival. Et nickel, il a vraiment raflé le grand prix ce soir. Bah, il est l'une de ses grandes fans. Vraiment? Alors, je suis vraiment désolé. Pourquoi êtes-vous désolé? Bah, ton garde vient juste d'être arrêté. Pour le meurtre présumé de Juan Corrida. Ah, du coup, là, voilà. C'est un garde arrêté, mais pourquoi donc? Désolé, gars, mais je ne peux pas vous le dire. On vient juste de commencer l'enquête, alors on ne veut pas de fruits. Pas de fuite, de fruits. Décidément, les samouraïs d'acier manquent de bol. Monsieur Nick, si Miss Maya pense ça. Ouais, j'ai compris. Elle me dirait de m'occuper de l'affaire, je sais. Bah, du coup, ça doit être bon. Très bien qu'on retrouve Mystique Maya. Hotel Gatewater. Hey, monsieur White, qu'est-ce qui se passe? John Corrida vient apparemment de se faire tuer. Quoi? John, il a été. Il a évidemment été assassiné. La police a déjà arrêté un suspect. C'est Matt en garde. Je voulais dire, pas le moins du monde. Il soupçonne le samouraï nickel d'avoir tué Ninja Billy. Ça recommence, j'ai la nausée. Ça recommence. Il y a un an, il s'est passé quelque chose de très similaire. Je n'y crois pas, c'est impossible, Matt, t'as pas pu faire ça. T'as dans la main. Oh, avant que j'oublie, tenez, c'est pour vous, monsieur White. Le groom de tout à l'heure qui me l'a donné. Émetteur, récepteur. Pour moi, pourquoi faire? Aucune idée, il a dit que c'était pour monsieur Phoenix Foyt, l'avocat. Ok. Matt est le plus tonique, le plus actif des acteurs à l'heure actuelle. Le samouraï nickel est déjà au sommet de la culture populaire, mais il a quand même continué à entretenir sa rivalité avec Juan, son concurrent. C'est Juan, c'est le Ninja Billy, c'est ça? À mon avis, c'est Matt qui finissait toujours par gagner. Il y a des gens qui ne savent communiquer qu'en se prenant la tête. Il a dit qu'il allait s'en prendre à Matt. Et il a signé pour une émission rivale. Et il s'agissait d'une Ninja Billy. Il est constamment nickel et l'explosif Ninja Billy. Puis les choses se sont vite envenimées. C'était la guerre entre les deux émissions. Résultat, vous constatez, on voit bien comment ça finit. Matt a gagné le grand prix cette année. Une dernière victoire sur son rival. Monsieur Engard s'apprêtait à tenir une conférence de presse. Que j'ai entendu dire. Pour être précis, c'était une conférence de presse du samouraï nickel. Du samouraï nickel? Ah ouais, il allait tenir la conférence de presse de son costume dans son costume de scène. Il devait porter son costume de scène. Mais pourquoi? Je suis pas sûr, mais on ne dit plus rien, vous savez. Dites monsieur Nick, le stigma est parti depuis longtemps maintenant. C'est vrai, elle était sûrement partie répondre au téléphone. Peut-être qu'elle s'est perdue. Je vais faire un tour pour voir si je la trouve.
Ah! Qu'est-ce qu'il y a, Snake? Ah, je sais pas trop. Ça va être un récepteur qui vient de juste de. Bip. Ah, allô, White, appareil. C'est bien Monsieur Phoenix White, l'avocat? Et vous, qui êtes-vous? Je suis un porte-peu. Par contre, il y a d'autres choses qui sont bien plus importantes, comme. Au secours, Nick! Maya? Maya? Alors, Monsieur White, le sort de cette jeune femme est bien plus important, n'est-ce pas? Son sort, ben, je comprends que ce que je dois comprendre. Maya, où es-tu? Tu es blessé? Calmez-vous. Gardez votre sang-froid encore quelques instants. Non, c'est pas vrai, pas possible. Bon alors, maintenant que vous avez tout fouillé, monsieur l'avocat. Oula. Une proposition bien modeste à vous faire. Si vous faites ce que je vous demande, je vous renverrai votre paquet intact. Comment vous appelez ça dans votre beau jargon juridique? Enlèvement contre rançon. Oui, c'est bien ça. Pas d'enlèvement. Mes yeux tous brouillent. Maya a été enlevée. Monsieur White, vous êtes toujours là? Combien vous voulez? Bien, je suis ravi de voir que vous venez de prendre conscience de la situation. Dépêchez-vous de me dire ce que vous voulez et rendez-moi Maya. Mais pas d'argent que je veux. Quoi? Ce que je veux, c'est un verdict. Je veux un acquittement inconditionnel. Acquittement inconditionnel? Quel crime avez-vous commis pour demander? Je suis pas la personne que vous devez représenter dans cette affaire. Quoi? Vous êtes bien l'hôtel Gatewater, c'est ça? Et je sais qu'un meurtre vient d'y être commis. Ben Corrida a été tué et la police soupçonne Matt en garde. Bien entendu, vous êtes parfaitement au courant de la situation, monsieur l'avocat. Eh bien, ce que je veux est très simple. Je veux que vous ayez l'acquittement de Matt en garde. Matt en garde, mais pourquoi? Il est parfaitement innocent, ça, j'en prends garde. Et pourtant quoi? Et pourtant, quelqu'un essaie de lui faire porter le chapeau. Quelqu'un de très malin veut lui faire porter la responsabilité, c'est un coup monté. Si j'accepte et fais ce qu'il dit, comment être sûr qu'il tiendra sa promesse? Bien sûr, vous pouvez me croire ou pas. Mais il y a une chose que vous pouvez être absolument sûr. Votre précieux paquet est à ce moment même en position. Au secours! Nick! Maya! Je vous donne 2 jours. Bien sûr, il sera ce soir interrogé par la police. Le procès est prévu pour dans 2 jours. Un procès que vous gagnerez haut la main et qui se finira par un verdict non coupable. Souvenez-vous, vous n'avez pas le droit à l'erreur, monsieur White. Une chance et une seule. Vous voulez dire que je décroche un verdict comme ça en une journée de procès? Exactement. Je ne pense pas avoir eu tort de me choisir, ne me décevez pas. Oh la vache. En fait, comme j'incarne le rôle du kidnappeur, je ne vais pas me gêner pour lancer la réplique des circonstances. Et surtout, ne fait pas la poule, ne fait pas les flics. Pas génial? Mais bon, vous m'avez compris. On sent qui êtes-vous? D'accord, je veux le dire. Je m'appelle... The Killer. The Killer. Kenny, où est Mystic Maya? Entre les mains de son agresseur. Non, c'était de ma faute. Seulement, j'avais accompagné Mystic Maya. C'est pas de ta faute, Perle. Si, Mystic Maya. Monsieur White. Nous devons, il faut prévenir la police. Non, surtout pas, ça risque de compromettre la vie de Maya. Monsieur Nickel, et si on parlait à l'inspecteur qu'on a vu tout à l'heure? Monsieur Detective? Et bien sûr, attendez-moi, je reviens tout de suite. C'est bon, je m'occupe de perdre en votre sens. Quoi? Une rançon? Chute pas si fort. La rançon, c'est l'acquittement inconditionnel de Matt en garde. Une petite minute. Ce qu'il veut, c'est l'acquittement d'en garde en échange de Maya. Alors ça m'explique que Matt en garde est obligatoirement le coupable. Le ravisseur dit qu'il est innocent. Comment pouvez-vous croire un kidnappeur? Effectivement, s'il est vraiment innocent, pourquoi se rappeler? En plus de ça, il y a toujours les preuves qui nous donnent accumulé contre lui. Les experts se lèchent carrément les bobines tellement il est cuit. Mais c'est bizarre, il y a tant de preuves contre lui, ce n'est pas naturel. Il y a trop de preuves, est-ce possible? Les souvenirs sont bons, le ravisseur a parlé d'un coup monté contre un garde. Enfin, on dirait que vous n'êtes pas prêt de rentrer chez vous, mon gars. Assieds-vous confortablement et coopérez avec la police. Demain, ce sera votre tour. D'accord. Mais voir un autre moyen. Il faut aussi qu'on fasse attention à ne pas énerver le kidnappeur. Vous avez raison. Quel bordel. Date, heure, lieu. Ma tête. Où suis-je? Je me demande si je suis toujours à l'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé?
Nick Perdi. Allez, c'est vraiment pas drôle. Je vois que je vous ai réveillé. Ah, mais qui êtes-vous? Quoi? On me connaît sous le nom de Killer. De Killer? Ça veut dire assassin? Je suis trop jeune pour mourir. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas ma cible. Enfin, pour le moment, dis-moi. Ah, Nick, où es-tu? Aide-moi! Vous avez raison, la seule personne qui peut vous sauver est bien Monsieur Phoenix Wright. Quoi? C'est Nick qui a me sauvé? Calmez-vous et tenez-vous tranquille, tout ceci n'est en fait qu'une transaction. Je vais essayer de le joindre maintenant. J'espère que vous allez coopérer et bien jouer votre rôle. Nick. Qu'est-ce qui va m'arriver, Nick? Perli. Mia. Bien, Monsieur Phoenix Wright, d'avocat. Ici, j'apporte peu. Par contre, il y a d'autres choses. Bon, bref. Bonjour. Salut, père. Monsieur Nick, allez. Faut qu'on se dépêche d'aller voir Monsieur en garde. Un peu de patience, père. Les visites ne commencent pas avant 9h. D'accord. Mystique Maya. Si seulement je l'avais accompagnée. Pauvre Perle, elle tient ce discours depuis hier soir. On a quand même réussi à la ramener hier soir. Grâce à un inspecteur détective qui lui a tenu la main et lui a servi de guide jusqu'ici. J'ai l'impression qu'elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Bien sûr qu'elle va bien. Quoi qu'il arrive, je veux la sauver, fais-moi confiance. S'il vous plaît, aidez-la. J'arrive à rester calme. Tout parce qu'elle pleure pour nous deux. Bon, elle nous dira rien, elle. On n'avait pas la patience d'attendre les visites, alors on est venu plus tôt. Pour voir un certain samouraï nickel accusé du meurtre de Ninja Billy. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis conscient de ce que cette situation peut avoir de difficile pour vous. Nous sommes... Ah, désolé mec. J'ai déjà un contrat. Pardon? J'ai déjà une assurance vie, je l'ai depuis très longtemps parce qu'avec mon boulot... non, vous n'y êtes pas, nous ne sommes pas assureurs. Ah bon? Écoute mec, j'ai pas besoin de ça non plus. Pas le moment. Vous savez, ici c'est pas chez moi. Ici c'est pas chez moi, alors j'ai pas besoin de double vitrage. Mais c'est pas ça non plus, nous ne sommes pas venus vous vendre des fenêtres. Je suis avocat, je m'appelle Phoenix Wright. Un avocat? Une minute, j'ai demandé à mon manager, d'accord? Mon nickel est un peu étrange, n'est-ce pas? Les mots étranges sont bien faibles en l'occurrence. Désolé de vous avoir fait attendre, mec. Vous arrivez à point. Hein? Vous êtes bien avocat, hein, mec? Mon manager était justement en train d'en chercher un bon, alors... Monsieur Nick, c'est le moment jamais. Je vais m'occuper de son cas. Pardonnez cette intrusion, mais j'ai quelques questions personnelles à vous poser. Pas de problème. Sachez quand même que mon autobiographie sort bientôt. Si je parle sans l'aval de l'éditeur, je risque de me faire taper sur les doigts. Une minute, je demande à mon éditeur, pas de soucis. Il y en a de la chance que ce regard, il connaît tellement de gens à qui il peut parler. Justement, je doute qu'il ait quelqu'un à qui il puisse vraiment parler. Voilà, veuillez m'excuser. Comme je craignais, il m'a dit que je risquais gros en vous disant quoi que ce soit. Est-il capable de prendre une décision tout seul? Monsieur en garde, j'aimerais vous interroger sur le meurtre. Quoi? Pour un tabloïd? Pour arrondir vos fins de mois? J'ai bien peur d'être obligé de vous renvoyer à mon secrétariat. Non, c'est pas pour un truc de journal. Attendez une minute, je vais demander au président du studio, ok? Vous croyez qu'il va bien, monsieur Nick? Il s'agit de parier sur l'intellect de monsieur en garde, je passe. Vous pouvez m'excuser. Le président des studios a dit, même le Neo-Mont Fuji sait que tu n'es pas coupable de cette affaire. Monsieur Nick, c'est quoi le Neo-Mont Fuji? Une montagne du nouveau vieux Tokyo, la ville que le samouraï nickel protège. Il a rien à me dire d'autre. Merde. Attendez. Moi, ce que je voulais, c'est de lui présenter ça, là. Monsieur Nick, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Je ne sais pas encore, mais je sais que je pouvais au moins lui montrer. Un émetteur récepteur, il a l'air super cool en plus. Quelqu'un m'en a fait cadeau. Intéressant. On m'a aussi invité à m'occuper de votre affaire.
C'est à ça qu'a servi l'émetteur récepteur. Oui. Eh mec, vous ne laissez pas commander par une voix désincarnée. C'est un mec qui a un portable à la place du poignet qui dit ça, elle est bonne. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est quoi? C'est un billet pour assister à la conférence de presse, celle que vous alliez tenir après avoir gagné le Grand Prix. Hein, moi? Oui, et bah tu de votre costume de scène en plus. Bon, ça, j'étais pas au courant, mec. Le spectacle, oui, mais ça, non. C'est mon manager qui charge le genre de truc. J'étais pas au courant, bizarre. Je vais en rester plus longtemps, mec, mais il faut que j'y aille. Attendez, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de m'occuper d'autres affaires. J'ai plusieurs amis qui cherchent un avocat. Vous voulez présenter, si vous voulez. S'il vous plaît, je vous en prie. Il faut que vous laissiez Monsieur Nick vous défendre. Waouh, vous utilisez des mômes pour attirer le client. C'est ça, les avocats modernes? Si vous ne m'embauchez pas, Killer va... Qui? Vous avez dit qui? Le Killer. The Killer. Qu'est-ce qu'il lui prend? On dirait qu'il réfléchit à quelque chose. C'est bon, mec, j'accepte votre offre. J'accepte que vous me représentiez au tribunal. Devant ici, monsieur Nick. Ouais. Je suis pas soulagé, pour autant il n'a pas l'air plus aux gens que moi. Allez-y, donnez-moi n'importe quoi, je vous dirai tout ce que je sais. Alors, je remercie le ciel d'être si connu, mec. Le fait est qu'on vous traite comme un héros, la nation tout entière vous admire. Moi, je ne le connais pas. C'est-à-dire que je ne suis pas une bonne citoyenne. Ah, c'est vraiment super d'être le samouraï. Et depuis quelques temps, les journaux acceptent de plus en plus de moi. Elle n'a pas tort. Samouraï Nickel a fortement la cote auprès des étudiantes et secrétaires. Monsieur Ringard a quelque chose qui plaît aux femmes. Vous connaissez ma devise? Rafraîchissant comme une brise de printemps. C'est tout moi. Brise de printemps? C'est pour ça que ce genre de scandale est un vrai désastre, mec. Même si je sors demain, mon image en aura pris un coup. Tout le monde aime les bons petits scandales bien croustillants. Vous savez, c'est quoi? Vous pouvez me dire où vous étiez l'année dernière? J'ai reçu mon prix, puis je suis allé m'entraîner dans ma loge. J'avais un spectacle d'après cérémonie à préparer. Je portais mon costume de samouraï Nickel. Et vous êtes resté seul durant tout ce temps? Mon manager courait dans tous les sens, alors oui, tout seul. À cause de la conférence de presse que vous deviez tenir après le spectacle. Conférence de presse, première nouvelle, mec. D'ailleurs, je crois que le samouraï Nickel devait faire une confession. En quittant ma loge, je me suis dit qu'il y avait pas mal de bruit. Ce courrier-là était déjà mort? Oui, enfin, c'est ce que j'ai déduit de ce que m'a dit mon manager. La manière dont il en parle, c'est comme si elle organisait toute sa vie. À ce moment-là, que l'inspecteur au manteau vert est arrivé. Il m'a fouillé et puis brusquement, on m'a arrêté. Quant à vous et à votre relation avec Joan Correda, comment on l'a décrit? Ça n'a rien à voir, mec. Vous avez vu sa tronche, vous savez qu'il a le même âge que moi. Il a insisté pour faire un film sur Ninja Billy, mais c'était voué à l'échec. Moi, Nickel, il a fini par gagner, non? Ouais, j'ai gagné le Grand Prix, les doigts dans le nez. Alors quelle raison aurait pu me pousser, moi, le gagnant, à tuer ce mec? Si encore ça avait été le contraire, je dis pas. Vous savez pourquoi vous avez été arrêté? La fouille s'est mal passée. La police a trouvé quelque chose sur vous? Ouais, un bouton du costume de Ninja Billy. Un bouton? Mystère 1, il était coincé dans les plis de mon Hakama, mon pantalon de samouraï. A mon avis, quelqu'un l'a mis là pour me faire du tort. J'en suis sûr, mec. Je me demande si c'est vraiment ce qui s'est passé. Je ne pense pas pouvoir en tirer davantage. Monsieur Nick, il faut que nous fassions encore une dernière chose. Je voudrais faire passer un test de monsieur en garde pour savoir s'il est innocent ou coupable. On peut faire ça? Bah oui, si on se sert de ça. On a Gataman Maya. Il sera incapable de vous cacher quoi que ce soit, monsieur Nick. J'en suis sûr. J'ai compris. Monsieur en garde, permettez-moi de vous poser une dernière question. Apprenez-moi franchement. Il y a votre question, mec. Avez-vous tué Jun Koreda? Vous prenez de vous amener le téléphone et de répondre vous-même. C'est bon, il sort que tout soit clair entre nous, mec. Ah. Je n'ai tué personne, pas même Jun Koreda, ok? Ah bon. Et même Sonic, pas rien. Pas la moindre bureau en vue. C'est-à-dire que nous pouvons lui faire confiance. Oui, on dirait bien. Au moins, je peux respirer en sachant que mon client est innocent. On sait comment demain, non? Compte sur vous, mec. Ok. Fin de la première phase. Bisous, YouTube.